Bonjour à tous, vous êtes de retour avec nous pour un premier épisode de Hunger Games 7 Days to Die. Alors c'est le projet qu'on avait planifié il y a quelques temps déjà, mais que j'étais pas autorisé à parler. Alors principalement le premier épisode aujourd'hui. En fait, sachez que tout l'événement présentement est complété. Alors, tout ce que vous allez voir, c'est du pré-enregistré sur Alpha 15 de 7 Days to Die. Alors, c'est un bon classique, un bon vieux classique, que c'est Hunger Games. Alors, vous allez voir dans quelques instants, moi et mon équipier Gel, c'est dans le fond, je vais vous lire un peu les règles. Donc, dans quelques instants, on va commencer le match. Mais juste avant, je voulais vous parler un peu des règles du Hunger Games. C'est très simple. Donc, si je commence par le commencement, évidemment. Alors, il y a 5 équipes de 2 joueurs chacun, donc on a 10 joueurs en tout. Tous les zones de la carte, donc ça se joue sur la carte Navesgan. Toutes les zones de la carte peuvent être exploitées, donc il n'y a pas de zones qui sont interdites. PVE et PVP autorisés dès la première minute du jeu, donc PVP à 100%. Jusqu'au troisième jour à 22h, donc tous les joueurs qui meurent peuvent respawner, sont autorisés à respawner. Par contre, à noter que le wellness aura un impact critique sur le jeu. Donc à partir du troisième jour le soir à 22h, tous les gens qui meurent sont éliminés. Alors à partir... donc après le septième jour par contre, donc le septième jour à 22h, il va y avoir une horde, et tous les soirs par la suite, la horde va revenir à chaque soir, alors c'est très très dangereux. Et le but en fait, du premier 3 jours, donc le troisième jour à 22h, on va devoir se retrouver dans une des deux demi de la carte. Puis, lors du sixième jour, l'autre quart de la carte va être éliminé. Alors, vers le dernier jour, ça va être seulement que un quart de carte. Et pour le septième jour, à 22h, tous les joueurs doivent être dans Diersville, dans les délimitations de la ville. Sinon, ils seront éliminés. Donc, on commence dans un cercle, et au centre, il y a bien sûr du loot et tout. Un peu comme Hunger Games, comme le film. Donc c'est libre à tous les joueurs de savoir ce qu'ils veulent faire avec. S'ils veulent aller au centre, risquer de se faire tuer, perdre le wellness et mourir ou pas. Lorsqu'on meurt, on perd seulement ce qui est dans la toolbar au bas de l'écran. Donc ce qui est dans le backpack, on le garde lorsqu'on respawn. Donc si on continue pour les spécificités. Pour la carte, le jour 3 à 22h, il y a une moitié de carte qui est interdite. Le cinquième jour à 22h, j'ai dit le sixième tout à l'heure, mais c'est le cinquième. Les joueurs vont devoir se trouver dans une autre, dans le fond, la moitié de la carte qui va rester. Il y a la moitié qui va disparaître ou qui va être interdite. Et le jour 7, tout le monde doit être à Diersville. Si on continue avec les trucs plus concrets... Il y a un airdrop à chaque jour qui est affiché sur la carte de tous les joueurs ou une minimap. Dans le fond, tous les airdrops vont être affichés sur la carte. Les zombies ne courent jamais. La difficulté des zombies, c'est de 4. Donc, niveau plus élevé que standard, je crois. Donc, ça serait Warrior. Les spawns zombies sont normales. Pour ce qui est de lors du début de la partie, chaque joueur va commencer avec 5 bouteilles d'eau, 3 conserves de nourriture, un t-shirt aux couleurs de l'équipe, un pantalon de fibre, une torche, un bandage, un os, un arc et 5 flèches. Ils vont aussi commencer avec une quest, vous allez voir dans la barre de tâches, dans la barre d'outils en bas, il y a une quest personnalisée qui suffit seulement d'équiper ses pantalons avec lesquels on commence pour avoir 150 points d'aptitude automatiquement. Alors ça sera à... Chaque joueur a décidé comment ils veulent le partager ou le dans leur équipe et dans leur skill propre. Alors, vous allez pouvoir voir un épisode par jour cette semaine, sorti à l'heure de midi, heure de Paris. Alors, soyez prêts à voir un épisode par jour. Je vous dis pas comment ça finit, évidemment, pour vous garder le suspense. Alors, sans plus tarder, je vous laisse apprécier chacun des moments qu'on a passé ensemble, moi et Gel, et l'équipe. En fait, j'ai pas mentionné, mais les 10 joueurs, en fait, les 5 équipes de joueurs contiennent chacun au moins un YouTuber qui seront listés dans la description en dessous. Alors, n'hésitez pas à aller voir leur point de vue et voir comment ça se passe de leur côté. Alors, merci beaucoup et j'espère que vous allez aimer. Alors, appréciez le plus possible. Merci. C'est excitant.
attention à ce que tu laisses dans ta toolbar. Ouais, genre juste ton arc. Laisse rien de... Ouais. Bandage, mettons. Bandage. Ah ben, malgré le bandage, on peut juste faire un clic gauche puis use dessus. Si les drops, c'est toolbar, là, on sait pas. Ça peut être juste backpack ou juste... J'aime mieux... Mais je garde... mieux voir le, dans le toolbar. J'ai juste mon arc anyway pour ça. Moi, j'ai mon arc aussi. Équipé puis loadé. Donc la question pour la quest, ça peut avoir un impact, ça va tomber nos points tout de suite. Oh, good. La quest, fuck that. Tu peux la faire maintenant. Read. Donc il faut que t'enregistres en parenthèse. Ouais, j'enregistre déjà. C'est quoi la quest? J'ai-tu... Quest... Hunger Games. Gather White Shoes. Oh oh. C'est parce qu'on l'a équipé avant? Ah, dropper OP puis ok, ouais. Tu peux le dropper puis le rééquiper. Quelqu'un qui mange des gars, je sais pas c'est qui. j'ai tué mes points. J'ai eu mes points, ok. Fait que, un point... Gather board shorts. Ouais, je me l'ai dans ton inventaire, si on est déjà équipé. Ou dans ton chest, puis reprends-les. Ok. Et points. Fait que, une fois Run Forest Run, une fois Tyrannosaur. Je peux faire. Une fois. Je vais faire arme. Je vais faire weapon crafting. Weapon crafting. Weapon smithing. Je vais mettre mon cancer avec 25 voir les stats. C'est non, c'est pas comme ça. Non. Non, juste tool smithing, dernière page. Alors, pour les gens qui regardent, on a 150 points. À 20. Bon, je vais mettre 50. Même pour les armes, je vais mettre 50. YOLO! Mettre 55. Crafting quality 355 pour les armes, c'est assez. Je vais mettre 50. Moi, 355 pour les armes, c'est pas assez, hein. Je sais pas. Je vais mettre 75. 424. C'est un item modé, c'est pour ça qu'il l'a jamais vu. Nice. Ouais. Il me reste combien de points? Moi, il me reste soit 56 points. Je sais pas pourquoi 56. J'ai-tu mis un chiffre pas... C'est pour moi, il me reste 81, mais j'ai mis des... Ok. Fait que c'est le 25 qui me manquait. Survivor pour la bouffe qui baisse moins vite. Tout de suite. Ouais, ça va être fait. Ouais, au coup. Archery, on met-tu des points? On s'entend que ça risque d'être pas mal plus crossbow pis beau là, nos armes. C'est 18h pour monter de police. Ah, c'est 18h PM? Non, c'est 6h le matin. Ok. Non, c'est 6h le matin. nice. Bon, on disait quoi? Moi, je fais... Fait que là, moi, j'ai pris... Un petit peu, j'ai pris... Moi, j'ai pris weapon. Ok. Donc, je vais mettre un 10 points en archery. Parce que le premier 10 points vaut vraiment la peine. Je vais prendre Bumble Pete. Plus 11% de dégâts. Toujours bon. De base. Alors, pour ceux qui regardent, on a un, des petits pépins à côté technique. Alors, ça devrait pas être très bien long. Alors, notre plan en tant que. Comment tu dis ça? Ouais, non, je reviens du tout. Fait que notre. Notre plan, c'est quoi? C'est direction nord-ouest. Crackerbook. Vers le... Alors, on joue map... La librairie, pour ceux qui connaissent pas... Map Navesgan. C'est ici. J'espère avoir des bonnes recettes. Fait que moi, je concours à... Regardez, qu'est-ce que... Je concours à l'ouest en ligne droite, puis on s'en rejoint, puis après ça, on monte au nord. Je fais déjà un peu plus de dégâts que les autres. Parce que j'ai mis 19 points en Archer. Nice. Donc je fais un 10% plus de dégâts. Je préfère ça aussi. Il me reste 36 points. Ouais, il me reste un 50 points pour l'autre affaire qu'on va décider. D'autres trucs éventuellement. En armure.
Pour Tyrannosaure 2, il faut athlétique 40. 40. Fait que je pense pas qu'on va réussir à avoir ça un jour. Non. Next level 10. Oh, il arrive. Fait qu'on court à l'ouest en ligne droite, puis on s'en rejoint quelque part. Fait qu'on est en brun les deux, c'est ça? Ouais. Je sais pas. Brown shirt. Ouais, je pense que oui. Ça ressemble à du brun. Ça. Oh, et voilà, le dernier participant qui est là. Oh, oh, oh. On était quoi? On avait 5 équipes qu'on disait? 4 ou 5? Mmh. Je me souviens plus, il y avait une équipe qui était supposée être là de plus. Puis je vais aller sur ma feuille. 1, 2, 3, 4, 5. On est maximum 5 teams. Ouais, il manquait une équipe, donc on va être 10 joueurs. Donc dans quelques secondes, le temps va revenir à 6h du matin. Et on va pouvoir commencer à monter l'échelle. Et à 6h10, c'est le départ. On va sûrement recommencer un petit peu avant 6h pour être sûr que le monde ait le temps de. Non, je pense que c'est vraiment 6h. On se prépare. C'est parti dans quelques secondes. Fait que direction ouest. Oh, ok. Nice. Fait que. Oh shit. T'es prêt? Deux. Un. Moi, je monte. Go. Fuck. Il y a des sacs. On court vers l'ouest. 5 secondes. Oui, ouest. Tu es prêt? C'est parti. Go. Cours, cours, cours. Attention au feu. Il y en a un à ta droite. Il me reste deux flèches. Le monde, y a-tu quelqu'un qui a été dans le milieu? Je sais pas, on s'en fout. Direction nord-ouest. Puis y'en a un qui s'en va vers le nord-ouest déjà. Je sais pas si tu le vois là. Où ça? Juste là. Je l'ai bleu. Il me reste une flèche. Vert. Moi... En tout cas, bleu ou vert là. Je ramasse des roches. YOLO. Si tu vois des nids de poule, des nids de poule. Des nids, on ramasse des flèches. Ouais. Moi, je fais un courir nord-ouest en ligne droite. Sans regarder en arrière. Ouais, moi, j'en regarde le gars. J'ai des flèches. Pas des flèches, mais des plumes. Ramasse des roches puis de l'herbe en même temps. Un zombie, pas utile. Ouest. Fuck. Ouais, il faut aller dans, on ira dans la neige au pire après le troisième jour. Donc, c'est vrai. T'es plus proche de moi? Pourquoi t'es plus sur la map? Ok, t'es là. J'suis un peu plus au nord. Ok. Oups. Nice. On sort pas mal de rush. Oh shit! J'ai trouvé des flèches. Deux morts. Des plumes. Bon, stamina, je monte pas. Ouais. On se claque dessus. Ouais, ça rush. Hein. Fais-tu. Tu peux te ramasser du bois, faire des outils si tu peux. Des haches, c'est ton axe. Tu peux les faire là, j'ai mon stamina qui monte. Je vais signer de couvrir. Okay. Un autre mort. Fais-le là. Ouais. C'était du bois, sinon j'en ai sur moi du bois si tu veux. T'en drop. Okay. J'ai un peu de bois. On okay. va en faire deux. Je vais faire des arcs. Beau. Ben, je vais dropper une à terre. Wooden bow. Ah, je peux juste en faire une pour l'instant. Qu'est-ce qui me manquait? Oh, attention, il y en a un qui arrive. Puis t'en as un, attention, en arrière de toi, il y a du feu. On va. Okay. Crime, tout le monde crève, c'est sick. C'est bon ça. On devrait aller au centre? Attention, il y a du feu partout. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'encore vivant. Direction nord. On s'en va au nord direct. On est calice, ouais. Nord direct, c'est pas nord-ouest. Je sais pas, mais pour l'instant, il y a beaucoup de zombies, fait que. Nord direct, ça a du bon sens aussi. Ouais. J'ai pas encore un nid, c'est toujours utile, les nids pour les œufs. Le bois, man, c'est malade. T'es-tu en arrière de moi? Il donnait un coup de hache, pis ça coûte 30 cucs. Je t'en. Ok, t'es en avant.
peux me ramasser du bois en attendant que j'arrive, je vais faire un autre arc. J'ai un masse de bois. Ok. C'est pas un problème. Drop tout ça. Puis de la roche aussi pour les flèches. Tout. Pour l'instant, oui. Ok. Je vais pouvoir crafter en courant. Ok, je te drop tout le bois ici. Ok. T'avais-tu des roches? Pour faire des flèches. Pas beaucoup. Ouais, non, je vais. Mais j'ai plus de stamina anyway, fait que. Je vais attendre. Ok, on perd juste ça. Okay. Garde le sac. Fait que je vais avoir ton arc. Mais j'ai pas de flèche pour l'instant. Mais là, si on va vers l'ouest, on continue vers. Faut aller dans la forêt, faut qu'on sorte du site. Faut aller vraiment au nord, présentement. Ok. Y'a pas de petite. Ah, j'ai trouvé une roche à terre. Je vais ramasser ça. Bon, sinon, on peut ramasser des grosses roches site avec notre pic. Notre hache. Viens vers moi si tu peux. Ok. Tant que je craft 8 flèches, parce que j'ai plus de bois. J'allais dire le temps que je craft des flèches, mais j'ai pas tant de flèches à crafter. Ouais, j'ai ramassé du coup. Qu'est-ce qu'il manque pour des flèches? Il manque du stone. Fuck, il y avait juste pas de stone. Je suis ouais, le stone, il y en a pas tant que ça. Ben, il y en a gros ici. Comparé à du bois. Ouais, il y a des roches là, mais. Je ramasse, en train de ramasser une roche, mais que t'arrives à moi, on va avoir des flèches. J'ai ramassé deux roches complètes à date. Attention, il y a des zombies pas loin de toi qui s'en viennent. Moi, je sais. Ok. Man, la stamina a chier. Ouais, c'est vrai, hein. Qu'est-ce que je vais utiliser? Une chance. Fail. Attention, il y en a un autre qui s'en vient. Moi, je sais, je fais juste le kill pour être sûr que ça relève pas. Hey, double kill. Oh, Daryl. C'est pas un admin, lui. Fait que, ok, t'es là. Je vais avoir un arc pour toi. Ok, je vais avoir un arc. À terre. À tes pieds. Je pense qu'il faut que tu la regardes vraiment. Ouais, la stone. Je l'ai ramassé. La stone. La stone. Et là, okay. 200, ouais. Il y a un chalet là. Bon. Mais il y a beaucoup ouais, de roches aussi. Mais ça vaut pas peine. Ouais, notre plan. Map. Je vais prendre des flèches aussi. J'sais oui, je vais si en faire d'autres. Tiens. Ah, t'es parti. Tiens dans le. Ah, je pensais qu'il y avait un nid. Tiens, 26. Commencer. Je suis en train d'en crafter 77 autres. On continue tout de suite vers le. Ouais, vers le plan. Oups. Parce que c'est notre plan. Je ramasse les petites herbes en chemin. Moi, une taloche une fois de temps en temps. Ça vaut-tu la peine de checker les chars là? Les chars, oui. On peut trouver un mining helmet pis d'autres shit. Je vais faire un. C'est scrap. Cancel. J'ai un petit lag, mais c'est pas super. Ok, c'est toi ça qui se bat en avant. Ok. En avant, là. Oh, nice. Es-tu morte? Ouais. Non! On peut quand même looter. Elle avait rien. Nice. Fait que. T'avais-tu du métal sur toi? Lui, je conseille de te mettre en accroupi pour mieux viser. Ça vise mieux, on dirait. Vu que ça pogne de face, je sais pas trop. Ah. Nice, un de moins. Sont encore les trois. Attention, derrière. Bouge, 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 bouge. Fuck. Bleeding. Fuck. Nice. Rip. On les a scrawlers, c'est de la merde. Ça, c'est fait. T'avais-tu du healing? T'as un cadeau. Oh, ben. Non, à terre, sit. À terre. Ok. Je pense que tu l'as ramassé. C'est bon, je l'ai ramassé. On se pousse par là, il y a dans le. Ah. Il y a quand même gros du stock. Bon, ouais, tu peux looter le temps que je tue les deux crawlers qui restent.
Pourquoi il fait ce son-là? C'est TeamSpeak qui fait ça? Je sais pas. Ah, c'est peut-être Kim. Ok. Ça... Pas de bouffe. Y'a-t-il de la bouffe? Non. Il reste un... Il reste un crawler, mais fuck off. Bonne question. J'ai... Oh! Pickaxe! Dans le char. Map. Pogner des coffee beans, là, mais... Oups, non, je vais pas dropper mon arc, s'il vous plaît. Arc, c'est 7. Old cash. Bon, ça c'est pour vendre aux marchands. C'est-tu là la maison qui est un... Non, c'est une maison scrap, ça. Moi, je dis qu'on va aller au nord, pour juste attendre qu'on se rende à... Faut se rendre à l'autre biome, mais anyway. Fait que... Faut se rendre en pleine. Ouais. On n'est pas encore dans la forêt. On est-tu allé trop à l'ouest? Map. Peut-être. Ouais, j'ai plus la map. Moi, ben, j'ai la map, mais zoomer, c'est quelque chose d'autre. Puis si j'ai le tab, je pense que ça va bugger. Je vais faire une petite coupure vidéo. Je reviens tout de suite. Bon, on a la map. Alors, ceux qui veulent voir la map, ça va être dans la description en dessous. Présentement, on est... on est où, là? Oh, on est même pas proche. Faut aller au nord vraiment longtemps. Wow. Ok. Genre que je sais pas si on va se rendre avant, avant 10h le soir longtemps. Ah ouais? Ouais. Ok. On pourra faire du crafting en tout cas. Pas mal de flèches. On devrait avancer une coupe d'arbres. Ou de saplings. On devrait ramasser un arbre ici. Pourquoi les saplings? Pour les planter dans la plaine, si jamais on... Ah, c'est vrai, on s'installera pas vraiment dans la plaine. Attention, l'arbre, s'il tombe sur toi, c'est one shot kill. Putain, deux, c'est assez. Y a une... Ah, c'est ta petite ville. De village en face. Je pense que ça vaut... Ça vaut-tu la peine? C'est... C'est loin au nord. Directement au nord, il y a le army camp. Fait qu'on est comme... Ah, le cracker book, c'est à droite. Ouais, c'est que... Sur le chemin ici. À droite, ici. On a des chances. Je vais refaire d'autres flèches. Arrows. Tiens, 103 flèches qui s'en viennent. T'avais-tu du métal à ramasser des roches? Si tu veux de quoi pour des arrows. Ouais. Je prendrais du métal pour faire une masse. Pas une masse, mais un club. Shotgun parts. Nice. Ok, je vais dropper le métal, métal. Ok, si. C'est on va faire un... Oh. Puis c'est quoi que t'as besoin? Des flèches? Non, des flèches, non. Ou du stone. Ça va être assez, ça. Moi, j'ai besoin de ça pour des flèches. Je voulais scraper... Je voulais scraper ça. Donc, j'en ai pour une minute de scraper pour faire les clubs. J'en ferai deux pour être sûr, là. Puis, le temps qu'on se rende au truc... ouais, la main d'arbre. Nice. Hey, tu montes? Non. Nice. Donc, je te l'ai laissé pour... je voulais te laisser pour l'XP. Cool, de l'eau. Nice. Alright. Bon. Donc, ça, c'est le bookstore. Fait qu'on peut rester ici pour quelques secondes, le temps de faire des flèches. Juste pour... Ouais. Pour avoir des chances. Ouais, certain. Il y a un zombie qui arrive en arrière, elle nous a pas vu. Ok. Combien de flèches qu'il nous faut? Peut-être 50? C'est assez, chaque? Ça m'en prend un peu plus, moi. Ouais, ça m'en prend, il me reste juste 6. Fait que je vais te dropper ce que j'ai pour l'instant. Tu même, quoi. Tiens, 50 sites. Puis le reste, ils vont me crafter au fur et à mesure, fait que peu importe. Faut y aller, ouais. Faut y aller parce que sinon on va manquer... T'as-tu gros des œufs, Krijin? 3 œufs? Fuck. Bon, c'est là que ça se passe. Ouais, y'a du monde en crise. Attention à droite. Moi je sais. Je vais essayer de négroer un peu séparé, genre. J'aurais dû me faire une masse, c'est quand. On va reculer sur le terrain droit. Ça va être moins compliqué. En même temps, on va avoir gros de l'XP aussi. Fait que... Attention aussi, il y en a qui arrivent ses côtés. Un autre mort, Croco. C'est pas la première fois qu'il meurt.
Il y en a un au loin arrière, je m'en occupe. Juste pas qu'il nous backstab tantôt. Wow. Oh, ils font chier, eux autres. Headshot. Et voilà. Le dos va bien. Ouais, pas si près. Nice, level up. Manque de flèche. Non, là, faut vraiment que je fasse ça. Ouf, la justesse. Ouais, c'est pas trop reculer pour aller dans la haute ville, pour être dans la merde. Je vais aller. Ouais, on peut faire genre fuck off puis aller pogner les livres. Bon plan. Il te reste des flèches? J'en ai à peu près une centaine. Ben, il y en a presque 21. Ok. Club. Iron Reinforced. Tu voulais-tu un club ou fuck off? Mets les damage. On en fera un plus tard si on a du métal en plus. Non, moi. Ouais, je... Ça, c'est du bon sens. Oublie pas si tu vois des armes, je vais les prendre. On va les commencer au bout. Des livres d'armes. Des prendre? Ouais, pas les livres. Ouais. Rien ici. On les lit pas? Ben moi j'ai lu les armes. Hunting knife. Je m'en occupe. Ah ouais? Ben c'est, ça compte comme un arme. Désolé. Tu l'as lu? Ouais. Fuck. Ouais, better luck next time. Et ici, letter chest. Ok. Ça va plus de ça donc? Ben tu peux le ramasser pis le pas le lire tout de suite. Ouais, tu vas le lire tout de suite. Okay. On sait pas, on a comment atteint ici. Justement, c'est plus long les lire que de les ramasser. Pistole. Nice. Ça, tu peux le lire parce que anyway, ça prend du gunsmithing puis on aura pas de point là-dedans. Rifle. Les deux? Wow. Il l'aide tout de suite. Ça, tu peux y aller tout de suite, pour pas, histoire de pas crever avec. Iron chest. Ça, je peux le prendre. Ça dérange pas. Iron chest? Ouais, bon, tu peux le lire. On peut y toute l'armure. Je vais ramasser les divans en attendant. Pour le letter. T'as-tu tout checké l'autre côté? Oui. Ouais. Ok. Ça vaut-tu la peine qu'on aille voir en arrière? Nope. Ok. On va sortir tout de suite. Bon, il n'y a plus de divan, je pense. Bon, il reste 3 divans. Donc, c'est quoi que tu veux que je lise? On va courir sur l'autre place tout de suite. On va aller au Army Camp tout de suite. C'est où? C'était une direction. Pratiquement nord. Nord, à peu près directement. Nord-nord-ouest, ouais. Bon, j'ai-tu mon club? Club 426, là tu parles. Je vais te donner des flèches. Ouais, je vais dans le fond les lire. Ok. T'as lu les guns? Pas encore. Ok. Ça, c'est fait. Malgré que la forge, on pourrait laisser faire parce qu'on va pouvoir s'en créer une forge, je pense. Possiblement. Ouais, mais c'est quand même une bonne idée d'avoir la force. Ouais, on commence tout de suite, là. Holy shit, c'est proche, ça. Ouais, je pense qu'on va s'aligner pour la maison et non pas l'Army Camp tout de suite. On ira à l'Army Camp au matin. On n'a pas assez de flèches. Attention. Ouais, mais la nuit, on verra pas rien. On verra pas rien la nuit. Malgré qu'on pourrait juste faire un rush, pogner les crates puis se pousser. J'avoue. Je pense qu'on va pogner les crates et on va se pousser. Ouais, sauf que. Croco, tu fais pas trois fois qu'il meurt lui? Pauvre Wellness, mon gars. Ouais. Il cite. C'est-tu du clot ça? Non, c'est des. Merde. Tu peux bûcher des cactus pour de la bouffe qui est poche, mais c'est de la bouffe pareil. T'es-tu proche de moi? Ok, tu t'en viens. Ouais. Yeah.
vitamines. Plus de stamina. Fais attention aux cactus qui font mal. Ouais. Nice. Ouais, un bush contre de cactus pour le Yucca Fruit qui donne du stamina. Ok. Oups, fuck, c'est les îles. Bon, map. Ça, c'est le chemin. Okay, fait que là, si on suit le chemin vers la gauche, éventuellement, on va trouver la curve puis voir le mining. Pas le mining, le army camp. Bon, c'est un bâtiment scrap. Il y a des... T'as-tu pogné des non, cactus? Des hein? T'as-tu pogné des cactus un peu? Moi, j'en ai pas. Ouais, moi, je cours puis je bouffe ça en même temps. C'est toi qui fais les weapons, les armures puis les guns? Peut-être, je sais pas encore. Ok. En train de doter le char. Ouais, il est pour l'instant. Ouais. Marteau. Là-dedans, on peut aller voir la toilette, voir s'il y a un gun dans la toilette. Il y avait un backpack, man. Shotgun receiver. Il n'y a pas de toilette, ça. Nice. Ah, oh, on n'a pas le book, le shotgun. Ok, je continue vers l'ouest. À mon avis, je pense qu'on est safe avec une torche, ouais. Là. Il doit pas avoir grand monde qui ont des guns ici, à ce temps-là. Ouais, parce qu'on a des flèches puis on a de la vie. bon, on devrait l'avoir en vue. Map. Je pense que je me suis complètement trompé. Ouais, c'est nord-ouest d'ici. Oh, il est là. Ok. Fait que, on va mettre ça. Ça, c'est le army camp. Ouais, puis pas les mines, ils se ramassent pas dans celle-là. Toi, tu vois-tu quoi ou. Bonne question. Ouais, plus ça avance, plus ça baisse. Hein. On fait du fuck off pour on va à la maison. Je pense que oui. Hein. Je pense que oui, c'est pour la jeu. Bon, ça peut être rush en même temps. T'as pris d'autres attaches sorties.